Bonjour. Bonjour et bonjour à vous, Hunter Métallé, qui nous rejoignez pour une nouvelle émission de Metal Hunter spéciale. Je suis accompagné aujourd'hui de... Vincent, enchanté. De Vincent. Alors Vincent, tu es métalleux du coup? Oui. Ouais, t'écoutes quoi comme métal? Du métal, black metal, du death metal. Et c'est quoi tes groupes préférés, Vincent? Explique un petit peu. Mes groupes préférés, Rotting Christ, puisqu'on en parle. D'accord, et tu viens d'où du coup? Du sud de la France. D'accord, et plus exactement? De Carcassonne. D'accord, et il fait quoi ton papa dans la vie, Vincent? Putain, merde! Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'album de Rotting Christ, Catatan Demona Aeton, qui est sorti en 2013 sous le label marseillais de Season of Mist, qui a toujours choyé les Grecs, et qui a toujours choyé ses groupes en général, avec de jolis packages. Et dans le cas de Rotting Christ, c'était toujours des box avec des goodies assez sympathiques à l'intérieur. Pour Catatan Demona Aeton, c'est pas facile à dire, hein, ce nom d'album. Bref, pour l'album dont nous parlons aujourd'hui, la box contenait un drapeau que vous voyez derrière moi, un petit pendentif, l'album a un digipack et je pense que c'était tout. Mais c'est quand même assez sympa, ils ont fait plus ou moins la même chose pour Rituals, il me semble. Mm-hmm. Pas grand chose à dire au niveau de la production de l'album et au niveau du mix, si ce n'est que c'est Sakis qui s'est chargé de tout, Sakis, le leader de Rotting Christ, qui s'est pour le coup vraiment chargé de tout sur cet album. C'est lui qui a écrit les textes, c'est lui qui a écrit la musique. Et puis ouais, il a quasiment tout fait. Ouais, tous les instruments, à l'exception de la batterie qui est chargée. Non, son frère s'occupe, je veux dire. Ouais, son frère s'est occupé de la batterie. Et la pochette. Et la cover de l'album, oui aussi, qui est la réalisation d'un artiste ukrainien, Norgus Slug, si j'écorche pas le nom. qui a... On s'excusera. Norgus Slug. Norgus Slug. Qui a réalisé ces deux sculptures en fait et qui sont. Parce que ces deux sculptures, c'est pas une qu'ils ont proposée. Ah oui, non, c'est peut-être une sculpture, oui, en effet, qu'ils ont mis face à face après le petit montage. Donc, pris en photo, et voilà, c'était pour ça qui c'est important, ce retour aux sources du noir et blanc, de la symbolique de la gargouille. Tu vas voir que Norgus Slug, il va nous écrire la bande de cons. Déjà, il y avait deux structures, deux statues, et puis je vous emmerde, je m'appelle pas Norgus Slug. La première fois que j'ai écouté l'album Rotting Christ, il m'a un peu pas déçu, mais ça m'a fait un peu bizarre parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus péchu comme les albums d'avant, avec plus de puissance et des refrains qui donnent vraiment envie de lever le poing et de chanter. Et en fait, tous les morceaux commençaient par une espèce d'intro très sympa où ça monte et où on attend le moment où ça pète vraiment, et jamais ce moment arrivait. Et c'est en réécoutant l'album que je me suis aperçu que c'était plus axé sur les ambiances et où c'était plus un album où il fallait écouter posé plutôt qu'un album où qu'il fallait écouter avec des potes, avec des bières. Donc ouais, j'ai appris à l'aimer, mais c'est vrai qu'au début c'était pas ça. Cet album de Rotting Christ, j'ai découvert un petit peu une nouvelle façon d'écouter et d'appréhender le métal en général. Vraiment, il agit comme une... Au-delà vraiment de la structure musicale, on y retrouve, on est entièrement pris dans une, comme on est pris dans une messe, dans une communion, avec, ça a rentré dans du satanisme, parce que le groupe n'est clairement pas sataniste ni rien, mais on ressent l'énergie païenne, et je pense que c'est aussi important pour qui écoute Rotting Christ que pour les membres du groupe eux-mêmes. C'est une musique vraie, pour des gens vrais. Oui. Comme nous l'avons dit précédemment, Sakis s'occupe de tout, dans la musique, une musique qui, une fois de plus, nous propose un black metal sombre et racé, donc avec pas mal d'éléments black metal, mais aussi des éléments extérieurs comme des chœurs sur le titre Grande Spiritu Diabolos, je pense que j'ai juste c'est au niveau du titre, je n'étais pas sûr, et des instruments qu'on ne s'attendrait pas à voir, comme de la cornemuse. Oui, oui, et encore, quand on dit cornemuse, c'est pas du folk, Corpiclani, machin, tout ça, c'est pas très discret.
Ouais, c'est sûr que les mecs en Bretagne pour le muse, ok, ils ont placé ça pour faire danser les métallos et le fest. Non, non, ils sont pas passés dans le folk rigolo à voir. Tout ce qu'ils ont rajouté en plus comme élément qu'on n'attendrait pas, ils les ont placés de façon très très intelligente et très très subtile d'ailleurs, de manière à ce que cela ne nuise pas à l'ambiance et l'atmosphère qui est quand même assez, assez sombre. Et au contraire, ça ne nuit pas, mais ça la renforce, je trouve. Donc c'est fait de façon très très intelligente, très, ouais, très bien fait. Ben c'est ça que j'aime bien, enfin que je trouve intéressant dans la musique, dans le black metal de Rotting Christ, c'est les petits éléments de tribal et de folklore qui viennent saupoudrer le tout sans jamais casser une ambiance qui est très 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 fortement établie. C'est assez subtil au final. T'avais pas une anecdote par rapport au groupe que tu me disais qu'on pouvait utiliser pour la vidéo, une espèce de lien entre toi et... Ouais, si, pendant un concert, ouais. Ouais, que je les ai vus quand, pour leur tournée, ils passaient à Lune, là. Ouais. Et en plein milieu du concert, grosse ambiance, ils étaient tous à fond. Et bête bang, tu vois, je me suis mangé la tête de manche. Enfin, non, la tête de la guitare, quoi. Dans la tête, à moi. Ouais, et je saignais, tu vois. C'est nul comme anecdote, on peut pas me parler. Ça c'est nul, je t'emmerde moi. Et c'est donc ça qui est à la fois très enrichissant et très intéressant dans la musique de Rotting Christ, ce sont ces éléments symphoniques et tribal qui viennent comme ça saupoudrer le black metal, le black déjà très établi du groupe, et qui sont autant d'incitation à la réflexion et au voyage. En effet, le voyage pour nous au cœur de l'album, comme vient aussi le démontrer l'omniprésence des langues. Différentes langues et dialectes sont présentes, plus ou moins présentes le long des morceaux de l'album. On retrouve des chansons ainsi écrites en latin, en grec ancien, en inca espagnol, dialecte créole, et aussi en roumain, avec cette nouvelle collaboration. Avec les deux, la pianiste et la chanteuse qui vient de Roumanie. Vraiment de Roumanie. Ouais, ce sont deux artistes roumains. Et c'est une chanson qui est. C'est une reprise en fait du folklore roumain que Rotting Christ a très bien repris à leur sauce, à tel point que moi je pensais que c'était une chanson de Rotting Christ à la base. Oui. Non, ils l'ont bien adapté, ils l'ont bien. Ouais, ce sont autant d'aspects qui sont aussi autant importants pour l'album, pour nous et comme pour le groupe. Voilà, Rotting Christ, héritage du peuple grec, carrefour des civilisations antiques. C'est au travers de ces choix qu'on est vraiment transporté dans cette nouvelle odyssée. C'est bien que tu mentionnes tout cet aspect d'odyssée, de voyage. Parce que Sakis a bien mis le doigt dessus lors des interviews. Cet album est vraiment un voyage vers les civilisations oubliées et vers leurs croyances et notamment leur part sombre, tout le côté obscur qu'elles peuvent transmettre et qu'elles peuvent promouvoir. Et il a également dit, et ça c'est très récurrent chez Rotting Christ, qu'il n'y a aucun message à saisir dans l'album, c'est vraiment une évasion tout simplement. Il n'y a pas de prosélytisme quelconque pour des anciennes religions païennes ou quoi, c'est vraiment une évasion. Et du coup, tu mentionnais les textes aussi et la réflexion, mais ça aussi c'est assez intéressant parce que les textes poussent à la réflexion et sont assez écrits assez simplement. Pas de mots bien compliqués, très simples. Ouais. Et si on peut prendre un exemple, je pourrais citer le second morceau de l'album que je ne vais pas prononcer puisqu'il est en inca et j'aurais trop peur d'écorcher la langue. On a déjà des soucis avec les Ukrainiens, les Ukrainiens et tout. On a déjà un continent sur le dos, on va pas en avoir deux. Mais du coup, le titre est en inca, ou en maya. En inca. Et les paroles sont soit en anglais, soit en espagnol. Alors là, pourquoi avoir choisi l'espagnol? Si ce n'est pour peut-être, si on doit interpréter, ce serait ce danger espagnol qui vient sur les Incas. Mais bon, ça aussi, ça reste... Oui, c'est vrai qu'on y voit cet aspect des cœurs qui monteraient
Les corps en espagnol dans le morceau comme une ombre qui viendrait envahir. Menacer cette civilisation. Menacer encore cette civilisation. Ouais. Et tous les morceaux sont comme ça, écrits très simplement, mais ça pousse à la réflexion, ça fait réfléchir. Bon, simplement, mais sans pousser dans le simplisme, évidemment, avec vraiment cette recherche linguistique importante. Mm-hmm. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a quand même des morceaux, vers notamment, si je me souviens bien, surtout à la fin de l'album et dans les bonus tracks, ouais, qui reviennent un peu aux sources du black metal hellénique de Rotting Christ et des albums, pas de l'album précédent, mais encore avant, et avec vraiment un black beaucoup plus épuré et que les vieux fans retrouveront avec plaisir. C'est pas bien parti, ça. Ah ouais, c'est pas bien parti, mais tu vois, c'est marrant parce que je suis sûr que t'as des gars qui doivent dire regardez-les, c'est des poseurs, ils ont des bières, ils font un style. Parce que je pense qu'il y a certains métalleux qui se filment pour des vidéos et qui prennent des bières pour faire si je suis métal, tu sais, qui rajoutent des goodies ou quoi, des trucs qu'ils feraient pas normalement à côté. Ouais. Sauf que nous, on boit vraiment parce qu'après, on sort. Et oui. Tu vois, regarde, t'as mis de la bière partout là-bas. D'ailleurs, j'y retourne. Bon allez, on va finir, c'est en train de charger, putain, vraiment ce truc ça va exploser quoi. Bon, donc voilà pour Katadon Demona et Toy, cet album qui a été très très bien accueilli par la critique lorsqu'il est sorti, et je crois que c'est un des albums qui a été le mieux accueilli de Rotting Christ ces 15 dernières années. Il a été album du trimestre à Metalian, au niveau de ce que ça a donné au niveau de l'année, il a été dans les 5 ou 10 meilleurs albums de l'année pour Terrorizer, pareil pour Metal Storm, et il a eu beaucoup, beaucoup de récompenses, et c'est amplement mérité parce que c'est vraiment un très très bon album qu'il faut apprendre à connaître. Comme je l'ai dit au début, moi quand je l'ai écouté, ça, il m'a semblé un peu bizarre, j'attendais ces moments de puissance, et en fait c'est plutôt des moments où il faut un peu se recueillir en écoutant cet album. Quoi qu'il en soit, si je devais le définir en deux mots, cela serait noirceur et voyage. Je sais pas toi si tu avais deux mots pour cet album, qu'est-ce que tu dirais? Bon, mes deux mots pour rebondir sur l'aspect recueillement et enfin, de cette ambiance si forte, je dirais messe, ça me fait penser à cet instant de recueillement, et messe noire, hein. Et méditation, carrément. C'est comme ça que j'ai plongé dans l'ambiance de cet album. Ah ouais, il y a pas mal de personnes qui me disent. Quoi qu'il en soit, Rotting Christ a sorti un album cette année qui s'appelle Rituals et que je n'ai pas écouté. J'ai juste attrapé des avis à droite à gauche qui sont assez variés. Ça va de la personne qui est assez déçue par ce qu'il propose, à la même jusqu'à dire que l'album est une sorte de stagnation, que le groupe stagne, jusqu'aux personnes qui sont très très contentes de cet album, disant que c'est la parfaite suite de l'opus que nous venons de chroniquer aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis, toi, tu l'as écouté, Rituals? Oui, oui, oui. Du coup? Oui, on peut le voir comme une sorte de suite. Enfin, c'est pas vraiment une suite, on n'est pas au cinéma ni rien, mais oui. Il a été écrit avec le même élan, on a l'impression, avec le même élan d'écriture que Katatone. Et certains peuvent trouver ça lassant, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Le visuel aussi a été travaillé dans l'album, déjà de nombreux clips sont sortis. Voilà, encore des éditions Digipack vraiment bien, bien foutues. Et une chanson en français, mon petit cœur chauvin, tout content. Ouais, tu vas faire du mal, c'est ça? Oui. Avec le gars de Samael. Et terminons en disant que Rotting Christ va faire une tournée, ils passeront à Dublin, mais aussi en France avec des dates à Toulouse, Linz, Lyon et bien sûr Paris, et peut-être d'autres, je sais pas, j'ai pas vérifié toutes les dates. Et nous vous invitons à aller les voir, car Rotting Christ est aussi un groupe de scène qui a beaucoup de puissance, une fois sur les planches. Impressionnant. Donc, on a tout dit, je crois, non? On n'a rien ajouté. De toute façon, si on a oublié un truc, je pense qu'on nous le signalera en commentaire. Merci de nous avoir regardé, nous espérons que cette vidéo vous a plu, et d'ici la prochaine, stay metal! I am metal, and I'll never die. We are metal.
Alors Vincent, t'as bien aimé l'Irlande ? Non. Pourquoi ? Parce que ça m'emmerde.